très très heureux de voir que l'Église, une nouvelle fois, est pleine pour ce concert du Nouvel An. C'est un rendez-vous qui est un rendez-vous que vous appréciez, que les Lourdaises et les Lourdais apprécient. Et nous sommes heureux d'accueillir une nouvelle fois l'ensemble orchestral de Toulouse, Louis Masson, qui nous fait la joie, le plaisir d'être encore là avec nous pour ce concert du Nouvel An. Alors c'est un concert du Nouvel An un petit peu spécial. Peut-être ne le savez-vous pas, mais nous sommes le 9 mai, et le 9 mai 1811 naissait le curé Peyramale. Le curé Peyramale, pour ceux qui n'ont pas la maîtrise de l'histoire de Lourdes, c'est la base quand même de ce qui a été l'histoire de Lourdes, et puis sans doute aussi de cette église. Donc c'est quelque part un hommage que nous lui rendons. C'est peut-être aussi l'occasion de montrer que ici à Lourdes, nous avons la chance de vivre dans un esprit de liberté, dans un esprit de fraternité, dans un esprit de communion, ce qui n'est pas le cas partout. Vous avez vu, et nous sommes tous témoins, des difficultés que rencontrent aujourd'hui les chrétiens d'Orient, et j'aimerais que nous ayons ensemble une pensée pour ceux qui sont martyrisés, qui sont soumis à la violence de l'intolérance dans le monde. J'aimerais qu'ensemble, nous nous levions et que nous pensions à tous ces chrétiens d'Orient. Merci, merci pour eux, merci aussi pour nous qui témoignons dans notre action quotidienne de la volonté de faire de cette ville de Lourdes un exemple de ville de paix et de fraternité, quelles que soient les différences, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos divergences, nous sommes là pour que le monde avance et qu'il soit meilleur demain que ce qu'il est aujourd'hui. Souhaitons-nous que 2011 soit pour nous une année meilleure que celle de 2010 et que nous puissions construire ensemble un monde meilleur. Alors nous allons le faire en commençant cette année, comme nous le faisons régulièrement, par de la musique. Et quelle musique ? De la belle musique. Je ne sais pas s'il y a de la musique qui n'est pas belle, mais en tout cas, celle-là, elle est faite pour vous. Nous savons que vous l'appréciez et je vais laisser la parole à Louis Masson pour qu'il vous esquisse ce que vous avez à avoir la chance d'écouter aujourd'hui. Merci à tous et puis une grande et une belle année pour tous.